Bonjour, voici une nouvelle vidéo dans la série Penser mieux. Et le message cette fois-ci, ça va être qu'avant de répondre à une question, ça peut valoir la peine d'essayer de la reformuler ou de la préciser. Et je vais illustrer ça d'abord par un exemple épuré mathématique. Alors, c'est des mathématiques très simples et en plus très cool. Si vous n'avez pas aimé les mathématiques à l'école, c'est probablement parce que vous n'avez pas tellement eu d'exemples de ce type. C'est vraiment le genre de choses qui fait aimer les mathématiques. Et ensuite, je vais voir si ce genre de tactique peut être utile pour des questions plus générales, et par exemple dans le cadre du Covid-19. Imaginez par exemple que vous ayez pour tâche d'additionner tous les nombres entiers de 1 jusqu'à 100. Donc de calculer 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 100. Et de le faire à la main. Là, c'est une question qui est très claire. Une tâche qui n'est peut-être pas amusante, mais la question est très claire. Et vous pouvez avoir l'impression qu'on ne va pas pouvoir utiliser le truc de reformuler la question. Finalement, elle est très très claire. Il n'y a pas moyen de la reformuler. Mais il y a quand même une façon de transformer cette question pour la rendre plus éclairante. Et c'est d'aller dans la direction d'expliciter davantage les choses dans cette question. Cette question a l'air particulièrement claire, tout a l'air d'être très explicite. Mais on peut se dire par exemple que les chiffres qui sont indiqués, 2, 3, 4, etc., il faut savoir ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas tout à fait explicite en fait. Et une direction pour reformuler cette question, ça serait de la formuler d'une façon où on n'a pas besoin de savoir ce que signifient ces chiffres, ces noms 2, 3, 4, mais où c'est dit explicitement dans la question. Alors je vous laisse réfléchir un moment sur comment reformuler cette question pour qu'elle incorpore explicitement les chiffres. Alors, une façon d'exprimer explicitement les chiffres dans la question, c'est de remplacer ces chiffres 1, 2, 3, 4 par des croix. Donc là où il y a 1, on mettra une seule croix. Là où il y a 2, on mettra 2 croix. Là où il y a 3, on mettra 3 croix, etc. Donc c'est une formulation de la question qui est plus explicite que précédemment. Les chiffres sont indiqué de façon très explicite. Il reste encore l'opération addition qu'il faut savoir ce que ça veut dire. Donc c'est pas totalement explicite, mais c'est déjà beaucoup plus explicite qu'avant puisque les chiffres sont explicités. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'en écrivant comme ça la série, la ligne devient vraiment longue. Là, je me suis arrêté à 8, mais si je commençais à écrire tous les chiffres comme ça jusqu'à 100, ça commencerait à faire une ligne très très longue. Et puis j'aurais peur de me tromper dans le nombre de croix que j'indique quand je commence à écrire des chiffres un peu plus grands. Là, j'ai déjà même dû faire attention et contrôler une deuxième fois pour être sûr que j'avais mis le bon nombre de croix. Donc, ce qu'on peut faire pour reformuler encore une fois cette question, ça serait d'essayer de la présenter sous une forme où ça fait pas une ligne aussi longue et puis où c'est plus clair, plus facile à voir si on a mis le bon nombre de croix. Alors je vous laisse réfléchir à ça pendant un instant. Oui, une façon de le présenter de façon que la ligne soit pas trop longue et qu'on puisse contrôler facilement si on a mis le bon nombre de croix, c'est de mettre les croix qui représentent chaque chiffre, de les mettre en verticale. Donc vous avez d'abord le 1, ensuite il y a deux croix l'une sur l'autre verticalement pour représenter le chiffre 2, ensuite trois croix l'une sur l'autre pour représenter le chiffre 3, et ainsi de suite. Et quand on fait ça, ça prend moins de place sur la ligne, puisque les croix sont mises en verticale. Et puis, c'est très facile de vérifier qu'on n'a pas mis une croix en trop ou en pas assez, parce que on voit que chaque colonne a simplement une croix en plus. Alors, c'est très pratique.
Mais ce qu'on réalise tout d'un coup, c'est qu'on voit là presque la moitié d'un carré, grosso modo. Et ça suggère qu'il y a peut-être une façon facile de calculer quelle est cette somme, une sorte de raccourci qui éviterait de devoir calculer en force brute, comme on l'aurait fait naturellement, commencer à calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., et de faire ces additions. Là, on voit que c'est à peu près la moitié d'un carré. Alors, pour qu'on voit bien que c'est à peu près la moitié d'un carré, j'ai mis en rouge la partie manquante. Et là, on voit que ben, il y a à peu près le même nombre de croix rouges que de croix bleues. C'est les croix bleues qui nous intéressent. Et là, j'ai mis pour les 9 premiers chiffres. Donc, on aurait tendance à dire à peu près la moitié. Donc, le nombre de croix, c'est 9 fois 9. Il y a 9 lignes, 9 colonnes. C'est 9 fois 9, 81. Et puis, on aurait envie de diviser par 2 pour trouver le nombre de croix bleues. Mais bon, 81, ça ne se divise pas par 2. Donc, déjà, c'est faux. Et puis, si on regarde plus en détail, on voit qu'il y a quand même plus de bleu que de rouge. Parce que la diagonale, elle est donnée au bleu et elle est pas au rouge. Donc voilà, il y a une petite finesse ici et je vous laisse réfléchir sur comment calculer exactement le nombre de croix bleues. Là, j'ai indiqué en bleu foncé ces croix bleues, mais qui sont sur la diagonale. Et peut-être qu'à partir de ce dessin, vous pouvez calculer d'abord le nombre de croix bleu clair et ensuite le nombre de croix, qu'elles soient bleu clair ou bleu foncé. S'il y a n colonnes et n lignes, le nombre de croix dans le carré, c'est n fois n, ce qu'on appelle aussi n au carré. Donc pour 9 ici, il y a 9 colonnes et 9 lignes, ça fait 9 fois 9, 81. Ensuite, si vous enlevez la diagonale, ça fait n fois n moins n. Et une fois que vous avez enlevé la diagonale, vous avez en fait le deux fois trop de croix par rapport aux croix bleu clair. Parce que le nombre de croix rouges, vous voyez, est le même nombre que le nombre de croix bleu clair. Donc si vous prenez le nombre de croix qu'il y a dans ce carré en ôtant la diagonale, vous avez en fait deux fois trop, donc il faut diviser par deux. C'est pour ça que le nombre de croix bleu clair, c'est n fois n moins n divisé par deux. Puis une fois que vous avez les croix bleu clair, si vous voulez avoir toutes les croix bleues, aussi bleu foncé, il faut rajouter encore les bleus foncés, et là, il y en a n sur la diagonale. Donc le nombre de croix bleues, qu'elles soient claires ou foncées, ça va être n fois n moins n divisé par 2, et à tout ça il faut encore ajouter n. Et le gros intérêt de cette formule, c'est que si vous devez calculer jusqu'à n égale 10, par exemple la somme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous pouvez utiliser cette formule en mettant simplement 10 à l'intérieur, c'est ce que j'ai fait là. Donc vous remplacez n par 10, ça fait 10 fois 10. Moins 10, le tout divisé par 2, plus 10. Et vous pouvez faire le calcul, ça va faire 55. Mais la chose extrêmement intéressante, c'est que si au lieu d'additionner jusqu'à 10, vous devez additionner jusqu'à 100, les calculs ne sont pas beaucoup plus compliqués. Vous remplacez n par 100 au lieu de le remplacer par 10. Alors les chiffres sont un peu plus grands, mais vous voyez, vous faites 100 fois 100, moins 100, le tout divisé par 2, et après à tout ça, vous ajoutez encore 100. Vous pouvez calculer que ça fait 5050. Les calculs sont un peu plus compliqués parce que ces chiffres sont un peu plus grands, mais pas autant plus compliqués que si vous y étiez allé en calcul en force brute, en vraiment faisant simplement le calcul direct, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc., et d'essayer d'aller jusqu'à 100. Là, si vous allez jusqu'à 10 ou jusqu'à 100, ça fait une très grosse différence sur le temps de calcul. Tandis que grâce à ce raccourci, grâce à cette formule, le temps de calcul est peut-être un tout petit peu plus long si vous calculez pour n égale 100 que pour n égale 10, mais pas beaucoup plus long. Donc ça, c'est un intérêt majeur de cette formule qui est un raccourci.
Ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, il y a intérêt à ne pas calculer tout de suite, mais à réfléchir d'abord un peu sur la question, parce qu'on peut peut-être trouver un raccourci. Là, vous avez cette formule. Si vous connaissez l'algèbre, vous pouvez certainement l'écrire plus joliment, mais vous avez ici déjà l'essentiel du résultat. Alors, il faut bien dire que cet exemple épuré mathématique, c'est quand même un exemple extrême. C'est-à-dire que là, en reformulant la question, on trouve un raccourci extrêmement puissant pour répondre à la question. Et dans la vie ordinaire, juste reformuler une question n'aide pas à un niveau aussi puissant la plupart du temps. Ça peut quand même aider dans le sens que reformuler, même si c'est avec des synonymes, ça peut donner des idées de solutions et aussi préciser la question, c'est naturellement quelque chose d'important pour pouvoir répondre à la question de bien l'avoir définie auparavant, de bien l'avoir précisée. Et je vais donner juste un exemple concernant l'épidémie actuelle du Covid-19. On pose souvent la question de base, à savoir comment combattre l'épidémie. Et cette question-là, si on veut y répondre, elle mérite d'être précisée parce qu'elle n'est pas si claire que ça. Combattre l'épidémie, ça peut signifier anéantir le virus, le faire disparaître de la surface de la Terre. Et ça, c'est la première interprétation qui vient à l'esprit. Mais il y a certains pays, où il y a eu certains pays, parce que finalement, dans la plupart des pays, ça n'a pas trop marché, mais il y a certains pays qui sont partis de deux idées, qui sont partis premièrement de l'idée que tant qu'il n'y avait pas de vaccin, on ne pourrait pas empêcher que toute la population soit finalement atteinte par l'épidémie. Et deuxièmement, il partait de la seconde idée qu'une fois après avoir été malade, les gens sont immunisés durablement. Et évidemment que si on part de ces deux hypothèses, eh bien, le développement naturel de l'épidémie, c'est qu'il va y avoir une sorte de croissance exponentielle. Ensuite, ça atteint un sommet au moment où il y a de plus en plus de gens qui sont déjà tombés malades. Et si c'est vrai qu'ils sont immunisés une fois qu'ils sont tombés malades, ils ne peuvent plus retomber malades. Donc après, il y a moins de candidats pour retomber malades. Donc si je trace la courbe des nouveaux cas journaliers, par exemple, hein, au début, il n'y a rien, et après, il y a une augmentation exponentielle avec un sommet, et après, ça redescend, et après, il y a de nouveau plus rien parce que tout le monde est immunisé. Ça serait le développement naturel. Et sous ces deux hypothèses, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose pour modifier cette évolution naturelle. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que tout le monde ne tombe pas trop malade en même temps, c'est-à-dire cette pointe ici, l'abaisser. Abaisser la pointe, mais ça signifie aussi, si on ne peut pas éviter que finalement toute la population soit contaminée, si on abaisse la pointe des nouveaux cas journaliers, donc s'il y a moins de nouveaux cas par jour qu'il y aurait si on n'intervenait pas, alors ça va simplement durer aussi plus longtemps, la courbe va durer plus longtemps pour que toute la population soit atteinte. Et ça, c'est une deuxième optique, c'est de dire, il s'agit d'abaisser la courbe, ça a aussi pour effet de la retarder, il s'agit d'abaisser la courbe pour éviter que trop de gens soient malades en même temps et que les services de soins intensifs soient surchargés. Mais il ne s'agit pas d'extirper le virus. Donc deux interprétations complètement différentes de la question comment combattre l'épidémie, parce que deux interprétations différentes de ce que signifie combattre l'épidémie. Pour répondre à cette question comment combattre le virus, il faut
faut avoir bien précisé la question et savoir exactement dans lequel de ces deux cas on se trouve. Si vous avez d'autres idées sur comment cette tactique de reformuler la question ou préciser la question peut être utile, soit dans ces réflexions concernant l'épidémie du Covid-19, soit de façon plus générale dans des questions de la vie quotidienne. Alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.